Ce matin, sans plus tarder, d'avoir avec nous le révérend Joel Spring qui est là pour nous apporter la parole. Nous avons besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit présent parmi nous ce matin, avez-vous remarqué? Amen. Sa présence est ici. Alléluia. On va se réjouir encore, même si on passe dans un temps de la parole de Dieu, on va demeurer avec un cœur réjouissant pour sa présence. Vous savez, le Seigneur a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et ce matin, mon cœur, pour vous tous, ce serait au lieu de voir Joel Spinks, que vous puissiez voir Jésus. Amen, que vous puissiez voir son visage. Êtes-vous capable d'avoir les yeux ouverts ce matin, vos yeux spirituels, que vous puissiez voir le Seigneur Jésus qui vous regarde avec des yeux remplis d'amour. Ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Jésus qui veut vous faire du bien ce matin. Amen, gloire à Dieu. Bien, vraiment, c'est une joie et un privilège pour moi d'être dans cette maison bénie. Amen, le pasteur Fofi m'a fait la grâce de m'inviter ce matin. Et moi, j'avais la grâce d'avoir un invité dans notre église. Donc, dans le royaume de Dieu, on peut travailler ensemble. Et c'est toujours un plaisir. Amen. C'est toujours un plaisir de venir dans votre maison. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, vraiment, je veux remercier Pasteur Fofi, Pasteur Suzy aussi pour l'invitation d'être ici. On a travaillé récemment à mon émission de télévision Vie de foi avec Pasteur Fofi et un ami aussi. Vous aviez un pasteur invité. Le pasteur Yves a passé à l'émission Vie de foi. On a eu du bon temps ensemble également. Et puis, gloire à Dieu. Juste avant d'aller à la parole de Dieu, j'aimerais vous présenter mon nouveau livre que j'ai reçu, en fait, en songe. Le titre s'appelle « Lumière prophétique ». Et puis, le Seigneur m'a montré ce livre-là en songe et j'ai vu le titre « Dans mon songe ». Donc, si vous dites « Ah, c'est un beau titre », ben ça ne vient pas de moi. j'ai reçu le rêve, le titre « Dans un rêve ». Et puis après, le Seigneur m'a dit, tu dois écrire un livre sur la prophétie, parce que j'ai vécu des expériences dans ma vie au niveau prophétique. Et puis dans mon rêve, il y avait un professeur de l'Institut biblique qui est venu me voir, qui m'a dit dans mon rêve, je veux avoir ton livre pour le distribuer aux élèves dans la classe. Et puis dans mon rêve, j'ai dit, oui, mais j'ai seulement un exemplaire. Et puis je me suis réveillé. Donc j'ai compris qu'un exemplaire, ce n'était pas suffisant. Je devais l'écrire et puis notre ministère a produit ce livre. En fait, ça fait quelques semaines, ça fait peut-être trois semaines qu'on l'a et puis je suis allé en tournée en Europe, en Suisse et en France et je suis revenu la semaine passée. Donc, eux ont été les premiers à l'avoir, mais vous êtes au Québec, à part de notre église locale, vous êtes la première église qui peut se procurer. Donc ici, si jamais vous avez des questions, comment Dieu nous parle, si vous avez du mal à entendre la voix de Dieu, bien ce livre justement va vous aider à comprendre comment Dieu parle, comprendre les songes, les visions, toute la dimension surnaturelle de la vie chrétienne. Parce que plusieurs chrétiens croient dans un Dieu surnaturel, mais ils ne vivent pas nécessairement beaucoup de choses surnaturelles. Et plusieurs chrétiens, surtout au Québec, vivent dans l'intellect, vivent constamment juste dans leur tête. Et vous savez, mon assistante vient du Cameroun, le pasteur Caroline, et puis elle me disait qu'elle avait peur en venant au Québec, parce que les gens lui disaient, quand tu vas quitter l'Afrique, bien tu vas rétrograder, tu vas avoir du mal à demeurer dans les voies de Dieu. Et pasteur Caroline a apporté des CD de son pays, du Cameroun, des CD et des CD. Elle a fréquenté l'église Winners Chapel
du pasteur Oyedepo. Et puis, elle a apporté plein de CD, mais rendue au Québec, elle a dit finalement, « Je n'ai pas besoin des CD, l'Esprit de Dieu travaille au Québec aussi. » Amen. Gloire à Dieu. Mais tout ça pour vous dire, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans leur tête. Et puis Dieu nous appelle, oui, on a un cerveau, on va l'utiliser, n'est-ce pas? Mais Dieu nous appelle à vivre à partir de l'Esprit. Donc, en gros, ce livre-là va vous aider à comprendre comment discerner la voix de Dieu et comment discerner les paroles prophétiques. Il y a eu beaucoup d'abus dans le monde chrétien au niveau de la prophétie. Et là-dedans, j'amène un équilibre, vous partageant également l'expérience que j'ai vécue en 2004, une expérience surnaturelle qui a changé ma vie. Donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés à connaître ces choses-là, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste maintenant prier et mettre cette portion entre les mains de Dieu pour cette prédication. Amen. Père éternel, on vient devant toi. On te remercie pour ta douce présence qui est déjà ici. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es tellement présent ici et ton cœur pour chaque personne ici, c'est qu'il puisse aller à un autre niveau. Donc, on te rend grâce, Seigneur Dieu, pour la touche de ton esprit dans chaque cœur. Seigneur Dieu, je prie que tous ceux qui ont un voile en ce moment, que vraiment ce voile puisse quitter leur vie maintenant, qu'ils puissent voir la splendeur de l'Évangile. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour des rémas surnaturels, des paroles prophétiques qui vont toucher mes frères et mes sœurs. Et je remets toute cette réunion maintenant entre tes mains dans le précieux nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content d'être ici avec vous. Je crois que Dieu voulait que je sois ici. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, quelle est ta parole pour le peuple ici, à l'église de Montréal? Et dans mon esprit, j'ai entendu le mot courage. Tout simplement courage. Et je crois que Dieu veut que je vous encourage à être courageux. Amen. Dieu vous appelle à vivre des grandes choses comme Église. Et ce matin, le message que je vais vous partager concerne cette Église locale, mais au-delà, vous pouvez l'appliquer pour votre vie personnelle, certainement. Mais Dieu vous appelle en Église d'être un peuple courageux. Et je ressentais dans mon esprit que Dieu voulait qu'on puisse honorer vos bergers. C'est une chose très importante. Vous savez, parfois, le climat spirituel d'une province comme au Québec, des fois, on peut être influencé par un climat spirituel. Mais on veut être influencé par le climat spirituel du ciel. Et au ciel, nous marchons dans l'amour et nous marchons dans l'honneur. Au ciel, c'est comme ça que ça se passe. Souvent, dans notre monde, au Québec et ailleurs sur la terre, on marche dans la critique et dans le déshonneur. Et le déshonneur repousse la présence de Dieu. Mais si vous voulez vivre des percées, vous voulez vivre la gloire de Dieu parmi vous, comme vous avez si bien chanté, comme on a ressenti la présence de Dieu, bien vous avez besoin de marcher dans l'honneur. Et je veux vous encourager à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez vous lever, pasteur Fofi, pasteur Suzy? Est-ce que vous pouvez vous lever? J'aimerais ça qu'on puisse prier pour eux ce matin. Est-ce qu'on peut faire ça? Même venez en avant. Le peuple de Dieu va prier pour vous. On va juste vous faire même vous lever et tendre vos mains. Je crois que c'est un moment important pour cette Église. S'il y a eu du déshonneur aujourd'hui, on veut annuler ça aujourd'hui. Amen. On veut annuler toute forme de déshonneur dans cette maison au nom de Jésus. Donc, on va étendre nos mains pour bénir le peuple, le couple pastoral. Père éternel, on vient devant toi ce matin. Seigneur Dieu, on te remercie pour ce couple que tu as choisi, pour ce couple qui a été mis à part pour ton saint service. Et aujourd'hui, on s'unit en Église pour annuler toute parole négative prononcée contre eux. Pour annuler toute parole de médisance, de calomnie, toute parole de sorcellerie. Au nom de Jésus, on veut annuler toute parole, toute parole. Et aujourd'hui, nous déclarons qu'il n'y a aucune arme forgée contre eux qui peut prospérer. Nous annulons et maintenant nous renversons toutes choses négatives et nous bénissons dans le nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour une santé, une longue vie. Seigneur Dieu, tu dis, tu nous rassasies de longs jours. On te remercie pour une longue vie. On te remercie pour la prospérité, pour la paix, la joie. Alléluia. Et pour ton onction qui ne cesse d'augmenter. Merci, Seigneur Dieu. On te remercie pour ton onction qui augmente de jour en jour. Ton onction qui augmente, Seigneur Dieu. On te remercie pour l'influence dans les nations également. L'influence est vraiment le sceau de Dieu sur leur vie. Nous célébrons leur présence. Nous te remercions pour eux, Seigneur Dieu. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous aimes, mais tu les as aimés également. Et aujourd'hui, cette maison déclare leur amour pour leur berger dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur de Dieu? Amen. C'est béni. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important, c'est tellement important de bénir nos ouvriers, ceux que Dieu a envoyés parmi nous. C'est tellement important. Parce que comme vous marchez dans l'honneur,
vous allez voir, le Seigneur va continuer à augmenter sa présence parmi vous. Amen. Quand on va bénir ceux qui sont au-dessus de nous, la bénédiction descend sur nous. Amen. Quand on maudit, si vous crachez vers le haut, devine où ça tombe. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Donc, vous voulez toujours bénir vos autorités. Vous voulez les bénir et prier pour eux, des paroles de bénédiction. Vous ne voulez jamais vous accorder avec l'accusateur des frères. Jamais. L'accusateur des frères s'appelle Satan, comme vous savez, le diable. C'est lui qui accuse vos frères et vos sœurs, qui veut toujours emmener des distractions, la division, toutes sortes de choses terribles. Mais Dieu, dans son équipe, dans son royaume, c'est l'honneur, c'est l'amour, c'est la bénédiction. Gloire à Dieu, je suis content parce que je sais que dans cette maison, vous allez poursuivre. Vous allez poursuivre dans cette vision de l'honneur. Ce n'était pas mon message, mais quand j'ai prié hier soir pour savoir, Seigneur, quel est le message pour ce peuple, j'ai reçu dans mon cœur vraiment le mot « courage ». Et en même temps, cette nuit, ben moi, je prie toujours au Seigneur. Je dis, Seigneur, parle-moi, comme chacun d'entre vous, je pense, vous voulez tous que Dieu vous parle, n'est-ce pas? Et puis, cette nuit, j'ai eu un songe pour cette église. Et la parole, en résumé, pour ce songe, ce que Dieu est en train de montrer, c'est que vous avez vraiment besoin d'opérer dans votre autorité spirituelle. Vous avez vraiment besoin d'opérer dans l'autorité que vous connaissez déjà dans votre tête. Plusieurs d'entre vous, vous savez déjà que vous avez de l'autorité au nom de Jésus. Vous avez le sang de Jésus. Vous connaissez toutes ces choses-là. Mais Dieu vous appelle à marcher dans votre autorité spirituelle et de déclarer des choses. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous ne réalisez pas dans quelle église vous êtes en ce moment. Vous savez, là, bon, c'est écrit « Christ en action ». Vous le savez dans votre tête, mais vous n'avez pas encore vu la vision de Dieu pour cette église. Et vous ne connaissez pas encore la destinée prophétique. Mais Dieu, aujourd'hui, Dieu veut ouvrir vos yeux parce que vous êtes assis dans une maison bénie. Amen. Vous êtes assis ce matin dans une maison bénie et qui dépasse vraiment les quatre murs de cette place, où l'influence augmente aussi de jour en jour. Et dans les années à venir, vous verrez la gloire de Dieu. Mais en ce moment, vous devez savoir opérer dans votre autorité spirituelle. C'est très important. Si Dieu me l'a donné en songe, vous devez bénir vos pasteurs. Parce que vous vivez dans un monde où c'est toujours contraire au royaume de Dieu. Donc, soyez vraiment conscients. Aujourd'hui, si je suis là, peut-être c'est juste pour vous dire ça. Marchez dans votre autorité. Marchez dans votre autorité et bénissez et continuez à voir ce que Dieu voit pour cette église. Et si vous ne le voyez pas encore, demandez à l'Esprit de Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels pour vous donner cette vision. Amen. Dieu va bâtir ce peuple et cette église est appelée à grandir. Cette église est appelée à avoir une influence dans la francophonie. Amen. Amen. Mais gardez ça devant vous. Priez et le Seigneur va le faire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais juste vous lire un verset plutôt par rapport à ce que je viens de vous partager. Dans 1 Pierre 5,8, il est écrit « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Le diable rôde toujours pour voir s'il peut dévorer des ministères, dévorer des vies, dévorer des santé. Il cherche toujours. Mais vous pouvez prendre la décision aujourd'hui et dire, je ne suis pas un chrétien comestible. Je ne suis pas un chrétien comestible. Je vais marcher dans mon autorité. Il rôde, mais moi, je vais courir plus loin et je vais courir plus rapidement. Amen. Le diable rôde, il veut toujours détruire des vies. Et si Dieu me donne un message pour vous, courage, prenez courage. C'est parce que certains d'entre vous, vous êtes possiblement découragés. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être aussi spirituellement fatigués. Vous dites, ah, je suis épuisé, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que plusieurs d'entre vous, vous êtes simplement fatigués parce que vous êtes au Québec. Tout simplement. Moi, je l'ai déjà ressenti. J'habitais en Alberta pendant 4 ans, comme vous savez, et quand je prenais l'avion et j'atterrissais au Québec, mon épouse et moi, on ressentait une différence spirituelle. Donc, quand on sort de l'avion, on a dû prendre la décision, est-ce qu'on va être influencé par le monde dans lequel nous vivons ou serons-nous toujours connectés avec le ciel pour vivre la gloire de Dieu? Est-ce qu'on va être influencé par le monde dans lequel nous vivons ou serons-nous une influence? Et Dieu m'appelle et Dieu vous appelle à influencer votre environnement. Mais premièrement, vous devez influencer votre maison. Vous devez être une influence dans votre propre maison et dans votre relation avec Dieu. Vous devez être déterminé. Je vais vivre la présence de Dieu dans mon quotidien. Parce que l'ennemi vient vous décourager. Et ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que vous puissiez voir au-delà de votre réalité. Il veut que vous puissiez voir la vérité de la parole de Dieu. Que vous puissiez vraiment voir la terre promise que Dieu vous a donnée. Le Québec, ce n'est pas votre terre promise.
Votre terre promise s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Amen. Ça, c'est votre terre promise. Gloire à Dieu. Mais en ce moment, vous êtes ici au Québec. Et Dieu vous appelle en ce moment à vraiment être encouragé. Encouragé. Parce qu'il y a des vents contraires, il y a des choses dans le monde spirituel qu'on ne voit pas, mais il y a aussi des vents contraires qui peuvent venir contre vous. Et Dieu m'a donné cette parole pour vous. Prenez courage. Heureusement, si vous dites, est-ce que c'est une parole pour nous reprendre, pasteur? Non, ce n'est pas pour vous reprendre, mais je veux vous encourager comme Dieu a fait avec son serviteur qu'on va voir ensemble dans Josué chapitre 1. On va aller ensemble dans Josué chapitre 1. Gloire à Dieu. Josué chapitre 1. On va aller au deuxième verset ce matin. Souvent, quand on est découragé, c'est parce que nous avons regardé ailleurs qu'à la bonne place. La bonne place, c'est de regarder toujours plus haut. On peut avoir des problèmes ici sur la terre. On peut avoir des défis. On peut avoir des maladies. On peut avoir de la pauvreté. Il y a toutes sortes de choses qui sont attristantes parfois dans notre terre à terre, dans notre quotidien. Et si on garde toujours nos yeux sur les choses difficiles, vous serez découragés. Mais si vous regardez plus haut, si vous regardez à celui qui connaît toutes choses, des fois on est là, on regarde et on se pose des questions, mais pourquoi Seigneur je vis telle ou telle chose? Pourquoi Seigneur tu permets ceci ou cela? Et vous savez, le diable est un expert à vous faire demander des questions, à vous faire poser des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de victoire dans les pourquoi. On ne trouve pas des victoires parce que on pose toujours des questions. La victoire se retrouve toujours en regardant au Seigneur. Quand on regarde au Seigneur, on dit, moi, je ne connais pas toutes les raisons, mais je connais celui qui connaît toutes choses, donc je peux trouver mon assurance là-dedans. Dieu connaît toutes choses, et en ce moment, je refuse de regarder simplement aux circonstances, aux choses qui se passent dans ma vie. Je vais regarder plus haut. Et comme je regarde plus haut, la Bible me dit, nous sommes rayonnants de joie. Amen. Rayonnant de joie. Et quelqu'un va venir vous voir et dire, mais comment ça tu te portes aussi bien? Il y a tellement de choses terribles qui se passent dans ta vie. Il y a telle épreuve dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu peux avoir autant de joie? Mais c'est parce que vous connaissez Jésus qui est la source de joie. Amen. Vous savez, j'ai connu une sœur dans le Seigneur qui vivait une épreuve. Elle était dans le milieu d'un divorce. Elle perdait ses enfants. C'était la défaite, c'était le découragement. Et puis, elle est venue me voir pour avoir un conseil. Et puis, je lui ai donné un conseil. J'ai dit tout simplement, loue le Seigneur. Et puis, ça pouvait sembler cliché, juste un encouragement rapide, juste pour, comme je ne sais pas, juste donner une réponse facile, mais elle a mis en pratique cette parole. J'ai dit, loue le Seigneur dans ton épreuve. Parce que quand nous louons le Seigneur, Dieu a dit qu'il habitait à la louange de son peuple. Donc, Dieu descend et la présence rafraîchissante de Dieu vient malgré l'épreuve. Donc, elle louait le Seigneur malgré ses épreuves, malgré sa vie détruite. Elle louait le Seigneur dans sa maison. Et vous savez ce qui s'est produit? Justement, l'Esprit de Dieu est venu sur elle, l'a rafraîchi. Les psychologues qui étaient dans cette histoire-là ne comprenaient pas. Ils se demandaient même, mais cette femme est folle, sa vie est détruite et pourtant elle semble sereine, elle semble en paix. Vous savez, elle était en paix parce qu'elle connaissait celui qui était au contrôle, qui était capable de renverser la situation négative. Et comme elle a regardé au Seigneur, Dieu a restauré. Dieu a restauré. Elle a eu ses enfants, Dieu a fait du beau ménage à ce niveau-là et puis Dieu lui a donné la paix et la joie. Mais si on regarde juste à nos circonstances, on va être découragé. Et Dieu ne nous dit pas regarder et évaluer votre compte de banque pour savoir si vous devriez vous réjouir. Dieu ne dit jamais ça. Dieu ne dit pas regarder aux symptômes dans votre corps pour voir si Dieu existe. Non, Dieu nous dit regardez plus haut, regardez plus haut. Amen. Donc ce matin, soyez encouragés. Bon, mon premier verset, Josué 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Wow, quelle bonne parole d'encouragement. Alléluia. Vous dites, le pasteur Joël vient nous prêcher pour nous dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Plusieurs d'entre vous êtes dans une situation comme ça. Une place de mort, peut-être dans vos finances. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de vie. Peut-être dans votre corps, c'est de la mort. Peut-être que vous avez une maladie en ce moment. Et cette chose-là vous enlève la vie, vous enlève le goût de vivre. Vous êtes fatigué. Peut-être spirituellement, vous avez permis à certaines choses d'entrer. Et c'est la mort même au niveau des choses de l'esprit. Peut-être cette dimension spirituelle, c'est la mort partout. Et quand nous sommes dans cette situation négative, qu'est-ce que Dieu nous dit? Tombe en dépression? Non. Regardez ce que Dieu a dit. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
Plusieurs d'entre nous, nous demeurons juste dans la première portion. Moïse, mon serviteur, est mort et nous vivons dans le deuil. Vous savez, des chrétiens qui ont de l'air d'avoir été baptisés dans de l'eau de citron, mais c'est, ou dans du vinaigre, ces gens-là ne donnent pas une bonne image au christianisme. Quand les gens vous voient, s'ils vous voient malheureux, s'ils vous voient déprimé, peut-être des airs de bœuf, vous connaissez cette expression-là? Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous comprenez, on passe par des épreuves. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais après, maintenant, lève-toi! Plusieurs d'entre nous, nous demeurons couchés dans l'épreuve. Nous demeurons dans le désert et nous piquons notre tente et nous établissons une tente et en briques parce qu'on se dit on va demeurer là. Mais non, le peuple d'Israël devait passer par le désert, mais il devait justement passer à travers. Amen. Et pas vivre dans le désert éternellement. Donc, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, passe cette épreuve, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. Vous savez, Dieu vous a donné une destinée en Jésus et Dieu vous appelle à vivre dans la terre promise spirituelle. Dieu vous appelle à vivre vraiment dans cette terre promise spirituelle, mais pour y arriver, vous allez devoir faire une chose, vous allez devoir vous lever. La terre promise est devant vous. Dieu appelle cette maison à vivre des grandes choses, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, des hommes qui vont venir de partout pour recevoir la parole de Dieu, pour être sauvés, pour passer de la mort à la vie, pour recevoir la guérison de leur corps malade. Dieu réserve des grandes choses pour votre vie personnelle à la maison, dans votre couple, dans votre famille, dans votre travail. Dieu vous accorde une terre promise. Mais pour y arriver, vous devez vous lever. Mais l'ennemi veut vous garder à terre. L'ennemi veut vous garder dans le découragement, dans l'abattement. Et la façon qu'il peut le faire, c'est au niveau de vos pensées. L'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si vous pensez toujours la défaite et vous permettez à l'ennemi de semer dans vos têtes, dans vos pensées, toutes sortes de mensonges, vous allez vivre ce mensonge-là. L'homme est comme les pensées de son âme. Et vous savez, comme vous pensez à quelque chose, vous allez commencer à le déclarer de votre bouche aussi. C'est une réalité. Si je pense constamment à quelque chose, je vais finir par en parler. Et vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, en plus, je pense la mort, le mensonge, je déclare la mort, devinez ce que je vais vivre. Je vais vivre la mort, je vais vivre la défaite, le découragement et toutes ces choses. Et c'est ça que Satan veut pour vous. Il veut que vous demeuriez toujours assis ou couché dans le découragement. Mais là, Dieu vous dit, il y a une terre promise. Il y a une terre promise pour vous, mais lève-toi. Moïse, mon serviteur, est mort. Oui, je comprends, il y a ta réalité. Ta réalité est là. Il y a des choses dans votre quotidien que vous vivez et vous dites, ben, toi, tu es juste un pasteur en visite, tu ne vis pas d'épreuves parce que tu es un Canadien, je ne sais pas, tu es un pasteur. Des fois, les gens pensent parce que nous sommes pasteurs, on ne vit pas d'épreuves. Ça, je l'ai entendu, ça. Oui, ça t'arrive ces choses-là parce que toi, tu es pasteur. Je m'excuse. Non, c'est pas vrai, ça. On vit des épreuves, n'est-ce pas, pasteur Fofi? Nous en vivons aussi. Moi, je ne comprends pas. Les gens pensent qu'on ne vit pas d'épreuves. Ce que je vous dis, nous avons des épreuves, mais nous avons quelqu'un qui est plus grand que l'épreuve. Amen. Amen. Et là, Dieu ne dit pas que la chose que vous vivez n'existe pas. Il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Oui, c'est triste, c'est négatif, mais maintenant, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi pour entrer dans la terre promise que Dieu veut vous donner. Amen. Donc, une fois qu'on se lève, mais comment faire? Si on veut demeurer encouragé. On veut demeurer encouragé, là. Parce qu'on peut se lever et dire, OK, mais comment je vais faire? Déjà, je sais, au niveau de mes pensées, au niveau de mes décrets, je dois faire attention. Je dois comprendre que je dois marcher dans la vérité. Si je marche dans la vérité, ceci veut dire que je vais parler la vérité, je vais penser la vérité. Amen, je vais marcher dans la lumière. Si je suis dans les ténèbres en ce moment, dans le découragement, peut-être je me suis laissé influencer par le royaume des ténèbres, là, je vais me lever et je vais quitter le monde des ténèbres pour marcher dans la lumière. Amen. Mais là, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais persévérer dans la foi et dans la patience malgré les épreuves qui sont là. Parce que quand on se lève, Moïse n'était pas ressuscité, là. Moïse demeurait mort. Votre situation peut être encore là lorsque vous allez vous lever. Je vais dire, je vais me lever maintenant. Mais là, le diable va dire, non, ça ne vaut pas la peine, reste assis, ton problème est encore là. Le diable va vous dire ça. Mais non, vous allez vous lever quand même et le problème est encore là. Mais là, vous allez quitter votre problème. Parce que vous allez commencer à marcher avec Jésus qui est la source pour vos problèmes. Amen. Vous allez vous lever spirituellement. Et là, vous avez besoin d'avancer avec une pleine assurance. Une pleine assurance, sachant que celui
qui est vraiment l'auteur de votre foi, il va accomplir les promesses dans vos vies. Vous devez croire à votre héritage. Parce que si on veut être encouragé, on doit prendre notre courage, on doit vraiment prendre courage et marcher avec celui qui est la source de notre espoir. Dans Hébreux 6 maintenant, je vais vous donner un autre texte pour vous aider. Dans Hébreux 6, versets 11 et 12, écoutez bien ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Remarquez bien, ceux qui, par la foi, on pourrait juste dire par la foi, mais la foi est accompagnée de persévérance. Il y a des gens qui vont se lever là. OK, Jésus va m'aider. J'ai la foi. Mais là, il y a un vent contraire, une épreuve additionnelle, une voix d'une personne qui nous dit « Ah, ça ne fonctionnera jamais pour toi. » Une seule distraction et la personne recule. Cette personne ne pourra jamais hériter des promesses. Parce que Dieu nous dit « C'est la foi et la persévérance. » Ou dans certaines traductions, la patience. Donc, on doit combiner la foi et la patience. Et là, on se lève, on commence à marcher. Nous sommes dans la foi et l'ennemi vient encore contre nous. Qu'est-ce qu'on fait? On persévère. On persévère. On persévère dans la foi et on avance. Mais plusieurs chrétiens ne bénéficient jamais des promesses ou ils ne peuvent jamais hériter des promesses. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent décourager trop rapidement. J'ai eu un beau témoignage quand j'étais à Lyon, en France, la semaine passée. Il y a un homme qui a fait 12 heures de route pour venir dans la Réunion. Savez-vous pourquoi? Il avait reçu quelque chose de merveilleux de la part de Dieu. Le diable lui avait fait un beau cadeau. Le diable lui avait donné une sentence de mort, une maladie, le cancer. Cet homme a entendu parler du CD de mon épouse Mathilde, qui a fait un CD « Vent de guérison ». C'est un CD où c'est plein de versets. J'en ai pas avec moi, on les a tous vendus en Europe. Mais c'est un CD, vous pouvez écouter tout ça gratuitement sur enseignemoi.com. Vous allez sur enseignemoi.com, vous pourrez écouter le CD « Vent de guérison » gratuitement. Mais tout ça pour vous dire, ce frère a entendu dire que Mathilde avait fait un CD de guérison. Et puis, c'est des versets de la parole de Dieu, des versets pour entraîner notre foi, mais pour qu'on puisse persévérer également dans la foi. Parce que des fois, on peut dire, oui, je crois que Jésus guérit, mais il y a un symptôme, une douleur, et on peut abandonner la foi. Mais cet homme-là a décidé de persévérer dans la foi. Il écoutait le CD à répétition, constamment, constamment. Et vers la fin du CD, mon épouse prie pour les malades et elle maudit le cancer dans ce CD-là. Et puis, elle déclare que ce cancer se désintègre. Gloire à Dieu. Bien, ce frère a décidé non seulement de croire un jour, mais de croire et de persévérer dans sa foi. Il a fait 12 heures de route avec son épouse pour venir me donner la main. Pour me serrer la main. Savez-vous pourquoi? Il voulait me dire, le médecin a déclaré que le cancer s'était désintégré. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si on veut vivre notre percée, alléluia, si on veut vivre notre percée, nous devons persévérer dans la foi. Amen. On a besoin d'être courageux et dire, moi, je vais me lever, je vais être fort et courageux. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pour y arriver, une autre chose qu'on doit faire, on doit être différent. On doit être différent. On doit accepter d'être différent. Vous savez, moi, quand j'ai été sauvé, c'était vers l'âge de 4 ans. Quand je suis allé à l'école, je vous ai déjà raconté mon témoignage, mais rapidement, quand je suis allé à l'école, à l'âge de 5 ans, j'ai découvert que j'étais différent. Et les enfants se prosternaient devant moi à l'école pour se moquer. Ils disaient « Alléluia, Alléluia ». Ils se moquaient de moi. Mais j'ai pris une décision vers l'âge de 5 ans. J'accepte d'être différent parce que j'aime Jésus. J'aime Jésus et je veux vivre pour lui toute ma vie. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu m'a gardé. Je ne dis pas que j'ai été parfait, non. Je ne suis toujours pas parfait aujourd'hui dans ma condition humaine. Mais dans ma position en Christ, je suis parfait comme vous êtes parfait. Amen. Mais là, on doit accepter d'être différent. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas vivre leur percée. Parce qu'ils se laissent influencer par notre monde dans lequel nous vivons. Vous savez, on peut entendre parler d'une maladie mortelle, et puis se laisser décourager. On peut perdre espoir. Et là, on reçoit de la prière, quelqu'un prie pour nous, et là, on ressent l'onction, mais plus tard, une heure plus tard, on ressent peut-être des symptômes. Et là, on va annuler la prière en disant, « Ah, je suis toujours malade. »
On va annuler littéralement la prière parce qu'on va s'accorder avec les symptômes de mensonge. Parce que quand on a reçu la prière, par exemple, l'onction de guérison travaille en nous. L'onction travaille, même si on ne ressent rien, l'onction de Dieu travaille en nous. Et là, l'ennemi revient avec des symptômes de mensonge là, pour venir vous séduire, pour faire à croire que vous êtes toujours malade. Et là, vous êtes là, vous vous accordez, « Ah, le pasteur a prié pour moi, mais là, je ressens des symptômes, donc je suis malade. » Et je viens de déclarer, « Je suis malade. » Et devenir ce qui se produit, « Vous êtes malade. » Mais là, si vous êtes différent, vous osez être différent, vous allez dire, « J'ai reçu la prière. » Et là, l'ennemi revient avec des symptômes. Ce que vous allez faire, vous allez dire, « Au nom de Jésus, merci parce que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. » Alléluia! Et là, l'ennemi revient avec d'autres symptômes. Parce que là, il est frustré contre vous. Mais là, cette personne va changer d'avis. Là. Et là, j'arrive avec d'autres symptômes. Alléluia! Merci, Seigneur Jésus! Alléluia! Parce que je suis toujours guéri. Parce que voilà 2000 ans, j'ai été guéri. Alléluia! Et là, l'onction de guérison travaille dans mon corps, de la tête aux pieds. Alléluia! Et là, on loue le Seigneur pour sa guérison. Après un certain moment, vous savez, si vous résistez au diable, que ce soit le péché ou la maladie, tout ce qui vient du royaume des ténèbres, si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Parce que le diable déteste entendre parler de Jésus. Le diable déteste l'onction du Saint-Esprit. C'est vrai, ça. Si vous avez des problèmes avec la dépression, le découragement, louez Dieu chez vous. Vous serez encouragé et les esprits d'abattement, de découragement vont quitter. Parce que quand vous dites, « Oh, merci Jésus! Alléluia Jésus! Je t'aime Seigneur Jésus! Tu es bon, tu es grand, tu es tout puissant! » Je peux vous dire, le diable n'aime pas entendre ces paroles. C'est vrai ce que je vous dis. Quand vous louez Jésus, peu importe, vous venez de recevoir un compte de Visa. Peut-être que vous avez besoin de vous repentir parce que vous avez été peut-être charnel à un certain niveau. Peut-être. Mais là, vous dites, « Mais Seigneur, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je vais faire? » Louez Dieu. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Il me reste combien de temps? Ça va? 10 minutes, OK. Je peux vous raconter une histoire quand j'ai fait une erreur? Bien, j'en ai fait plus qu'une, là. Mais une erreur que je vais vous raconter, là. J'ai acheté un véhicule, et puis j'ai acheté ce véhicule-là, je pense que j'ai payé proche 20 ou 30 % d'intérêt. J'aimerais vous dire que c'est une mauvaise chose, ça. Ne faites pas ça. Je venais tout juste d'arriver en Alberta, je devais m'acheter une voiture rapidement et la personne qui m'a fait signer m'a fait le beau cadeau de me donner ce pourcentage-là d'intérêt. Et après proche 4 ans de paiement, je payais, j'ai dit à mon épouse, je vais appeler, savoir combien de temps il me reste. Bien, monsieur, il vous reste 17 000 $ à payer. Hein? Après 4 ans de paiement, c'est quoi cette chose-là? Mais monsieur, vous avez signé à 30 % d'intérêt. J'ai dit, ah, mais c'est pas vrai. J'ai fait une erreur. Puis savez-vous que Dieu est capable d'entreprendre même au niveau de nos erreurs? Amen. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas été très sage et intelligent, mais puisque j'ai été racheté de la malédiction, Dieu prend même soin de ma stupidité et peut me délivrer. Amen. Je suis pas en train de vous encourager d'être stupide, là. Mais des fois, on fait des erreurs. Et puis, j'ai dit, Seigneur, moi, je te remets cette dette parce que je ne veux pas vivre dans cette dette. Je te remets ce problème-là, Seigneur Dieu. Et je sais que tu es plus grand que 17 000 $. Amen. La semaine suivante, vous allez dire, oh, c'est trop peu. C'est parce que tu es pasteur. La semaine suivante, j'ai payé mon véhicule complètement d'un seul coup. Amen. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous allez devoir être différent. Vous allez devoir accepter que Dieu ne vous appelle pas à être des personnes réalistes. Beaucoup de chrétiens veulent être respectables. Oh, comme c'est drôle! Vous voulez être respectable? Bien. Écoutez, moi, honnêtement, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent être respectables. Mais quand on lit la Bible, je m'excuse, il y a beaucoup de choses là-dedans qui peuvent faire rouler les yeux. Vous savez le festival du roulement des yeux où les gens... Vous connaissez ça? Même ici à Montréal, vous connaissez ça? Les gens qui roulent les yeux. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Marie, vous savez, qui a conçu par le Saint-Esprit. Ma voisine, une bonne catholique, m'a dit, « Ben, on s'entend. Marie, on s'entend. » Elle ne croyait pas trop, elle.
Mais Marie, c'est une femme différente, n'est-ce pas? Elle était différente. Et moi qui crois dans le récit de la naissance du Seigneur Jésus, ben moi, je suis différent aussi. Mais si je veux plaire aux hommes et être respectable, toujours que tout le monde puisse m'applaudir, tout ça, ça ne marchera pas. Parce qu'il y avait des espions qui voulaient rentrer. Mais vous savez, il y avait des espions qui avaient été envoyés pour examiner la terre promise. Vous connaissez cette histoire-là, dans Nombre chapitre 13. Et puis, il y en avait combien? La moitié qui ont cru dans la parole de Dieu. Savez-vous combien? Deux. Il y en avait deux. Ce n'est pas un grand pourcentage là, sur 12, n'est-ce pas? Il y en avait juste deux. Il y en avait deux qui étaient différents. Si vous voulez entrer dans votre terre promise, vous devrez être différent. Amen. Je vais vous lire un texte pour vous le prouver. Dans Nombre 14 et au verset 24, il est écrit, « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Mais remarquez, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il était respectable aux yeux de Dieu, mais pas au niveau des hommes. Les hommes pouvaient dire, « Mais non, nous sommes comme des sauterelles, nous. On est un petit peuple, nous sommes des rien. » Et puis la mentalité de la majorité fait toujours fausse route. Je pourrais parler de politique ce matin, je ne le ferai pas. Souvent, la majorité prend de très mauvaises décisions. C'est vrai ça. Ma fille, Félicité, c'est une jeune fille qui aime la politique. Combien d'entre vous connaissez des enfants de 11 ans qui aiment la politique? En connaissez-vous beaucoup? Non, hein? Mais ma petite Félicité, bien, en fait, la prophétesse Cindy Jacobs a prophétisé sur mon épouse quand elle était enceinte de ma petite Félicité. Et puis, elle avait prophétisé, « Cet enfant va naître une journée historique au Canada. » Et puis, c'était vraiment une prophétie véritable parce que Félicité est née une journée d'un vote de non-confiance au Canada. Et puis, cette jeune fille de 11 ans aime la politique. Elle aime écouter les débats avec son papa. C'est drôle, hein, quand même. Elle suivait tout ça quand c'était Harper et M. Trudeau. Elle suivait tout ça. Et le matin, quand c'était le résultat électoral, c'est qui va remporter? M. Harper, qui était un chrétien, ou M. Trudeau, qui est, je ne sais pas trop. Mais, savez-vous ce qui s'est produit? Ma petite Félicité a demandé à sa maman, « Maman, c'est qui a remporté? » Et puis, ma femme a donné les nouvelles. Là, elle avait compris que Harper, M. Harper, avait perdu aux élections. Et Félicité a fait, puis elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Spécial, ça, à 11 ans. Et puis, à l'école, les gens disaient, « Ah, ben nos parents disent, on veut du changement. » Vous savez, à l'époque, le Canada était le pays numéro un au monde. On était dans la catégorie numéro un pour le standard de vie au monde. Et les gens disaient, « Nous voulons du changement. Nous sommes numéro un, mais ce n'est pas assez bon. » Je ne fais pas de politique, là. Hein? Est-ce que j'en fais pas, là? Je veux juste vous illustrer une chose. La majorité, souvent, n'a pas raison. Moi, j'étais comme, on est numéro un au monde et les gens veulent du changement. Mais c'est quoi cette affaire? Si nous étions numéro 10, 20, 50, je sais, peut-être, mais numéro un, nous ne sommes toujours pas heureux. Voyez-vous, les êtres humains? Et là, nous avons perdu notre statut numéro un. On a eu du changement. On a eu... Je prophétise et je prie pour d'autres changements. Amen. 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 Mais je dis rien de politique, là. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, vous devez être différent. Et une autre chose, si vous voulez vous lever de votre découragement, vous êtes là, vous dites, « Mais toi, pasteur, tu ne connais pas ma vie. Moi, j'ai des épreuves que tu ne peux pas comprendre. Il y a telle situation. » Écoutez, j'ai rencontré plein de chrétiens dans ma vie qui sont passés dans mon bureau, pasteur Fofi, je suis certain aussi. Nous avons tous entendu des histoires d'horreur dans la vie des chrétiens. Amen. Donc, peu importe la situation que vous avez vécue, je suis certain que Jésus est plus grand que votre problème. Amen. Je suis certain de ça. Mais là, si vous dites, OK, mais c'est très bien, tu viens nous encourager, qu'on doit prendre courage. Mais là, comment faire dans ma situation? Une situation qui est vraiment difficile.
Bien, une des choses que vous allez devoir faire maintenant, vous savez plusieurs choses que je vous ai déjà mentionnées. Vous allez penser comme Dieu pense, vous allez parler comme Dieu pense, vous allez vous relever et garder vos yeux toujours sur le Seigneur. Mais une chose très importante aussi que vous devez faire, vous devez rêver à nouveau. Quand on se relève, Moïse, mon serviteur, est mort, et là, je vais me lever, mais là, je vais rêver aussi. Il y a plusieurs chrétiens qui ne rêvent jamais. Vous êtes tellement réaliste, vous suivez les masses, tout le monde pense d'une certaine façon, donc vous vous laissez influencer par la majorité. Mais non, vous avez compris ce matin, OK, je vais être comme Caleb, je vais être une personne différente, je vais être différent, comme moi quand j'étais à l'école, j'ai compris, je vais être différent, et c'est correct aussi. Parce que vous savez, quand on marche avec Jésus, nous sommes différents, mais nous sommes bénis. C'est une chose, là. La majorité ne vivra jamais la bénédiction comme nous. Parce que quand nous sommes différents, même si nous sommes même vraiment très différents, nous devenons des chouchous du bon Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Nous marchons avec Jésus. Et Dieu, là, le Seigneur Jésus nous parle. Quand nous sommes en train de marcher avec lui, vous savez, nous sommes des amis de Dieu et Dieu commence à nous partager ses rêves. Il commence à nous dire, « Ah, mais tu sais, pour toi, Joël, j'aimerais que tu fasses ceci. » J'ai vécu ça en 2004. Le Seigneur Jésus m'a dit, « J'aimerais que tu t'investisses pour rejoindre le peuple francophone. » Et à ce moment-là, j'étais à la télévision dans le monde anglophone. Et Jésus a commencé à me parler et me dire des choses qu'il rêvait pour ma propre vie. Et moi, j'étais incrédule à ce moment-là. Je suis revenu, j'ai dit, « Mais c'est pas possible. » Et je suis revenu. Et après, comme je suis revenu, le pasteur qui était en train de prêcher, parce que moi, je vivais ça derrière la scène, couché pendant 5 heures cette journée-là, dans vraiment la présence de Dieu, le pasteur a répété les mêmes paroles que le Seigneur m'avait prononcées au ciel. Dieu est tellement bon. Mais vous avez besoin de rêver les rêves de Dieu. Dieu a des rêves pour votre vie. Vous vous dites, mais comment faire rêver les rêves de Dieu pour moi? Passez du temps avec lui. Vous ne vivrez peut-être pas la même expérience que j'ai vécue. Ce n'est pas ça qui compte. Mais vous pouvez marcher avec Jésus à votre façon. Vous pouvez marcher avec lui tous les jours et passer du temps avec lui. Et l'Esprit de Dieu va commencer à vous parler. Et là, vous savez, certains d'entre vous, vous êtes, ah, mais non, mais c'est trop glorieux cette chose-là. C'est impossible que Dieu m'appelle à faire telle ou telle chose parce que c'est trop grand. C'est forcément charnel. C'est forcément charnel, cette histoire-là. Vous savez, souvent, c'est ça qui se passe avec nous. On s'imagine, si c'est merveilleux, si c'est glorieux, si c'est plaisant, c'est pas la volonté de Dieu parce que Dieu nous appelle à porter notre croix. Oui, Dieu nous appelle à porter notre croix, mais en même temps, Dieu, quand nous portons notre croix, l'Esprit de Dieu est là avec nous pour nous donner sa grâce en portant la croix, mais aussi Dieu nous appelle à vivre sa joie et sa paix. Et Dieu a dit dans sa parole qu'il était pour nous donner le désir de notre cœur. N'oubliez pas ça. Donc, si vous voulez être encouragé, si vous êtes découragé, bien, regardez plus haut. Commencez à regarder au Seigneur. Commencez à regarder au Seigneur et commencez à entendre ce que Dieu va vous dire. Et là, il va déposer en vous des rêves. Si en ce moment, vous dites, mais je ne connais pas mes rêves, passez du temps avec Dieu, mais je pourrais vous demander, je pourrais vous poser la question, quelles sont vos passions en ce moment? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Vous allez découvrir les dons que Dieu a déposés en vous comme ça. Si vous aimez chanter, par exemple, vous aimez chanter, et si les gens aiment vous entendre chanter, c'est possible que vous êtes appelé à chanter. Il y en a d'autres, vous avez une onction de la douche. Il y en a d'autres, c'est une onction de la douche. Vous chantez dans votre douche et vous louez le Seigneur dans votre douche. Mais il y en a d'autres, vous avez une onction comme chante ici. Amen. Et tout le monde aime vous entendre chanter. Mais certains d'entre vous, vous êtes là, vous dites, « Ah, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être un mécanicien, mais on m'a dit que je devais travailler, je ne sais pas, dans tel magasin. » Et puis là, vous êtes là parce que vous pensez, « Mais je suis obligé d'être là parce que je dois gagner mon pain. » Savez-vous, vous n'avez pas à gagner votre pain? J'ai une grande nouvelle à vous dire. Ça, c'est la mentalité des êtres humains normaux. On n'a pas à gagner notre pain. Non, non. Notre pain est gagné par le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est vrai, ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent, ben, je vais aller travailler pour gagner mon pain. Non, 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 non. Vous savez, quand on devait gagner notre pain, c'était sous la malédiction. Mais nous avons été rachetés de la malédiction. Donc aujourd'hui, on n'a pas à gagner notre pain. On a simplement besoin de répondre à l'appel de Dieu. Donc si Dieu m'appelle à faire telle chose, Dieu est ma source, Dieu est ma provision, il va prendre soin de moi à tel niveau. Amen. Mais si vous avez ce rêve-là d'être un mécanicien, soyez sensible à ces désirs que Dieu a déposés en vous.
Si votre désir, c'est de voler le mari de votre sœur, ça, c'est pas un désir qui vient de Dieu. Amen. On doit le dire, là. On doit le dire. Ma sœur, mon épouse a reçu un appel d'une sœur à l'église. « Oh, priez pour moi parce que je suis tombé en amour avec tel frère et puis je veux vraiment que sa femme le quitte pour que je puisse le marier. » Du n'importe quoi. Ma femme a dit « Non, je ne pourrais pas prier avec toi et m'accorder avec toi pour ça. » Parce que Dieu va nous donner les désirs de notre cœur si on fait de l'éternel nos délices. Voyez? Si on fait de l'éternel nos délices, là, Dieu va nous donner le désir de notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu transforme notre cœur. Et là, on a le cœur de Dieu, on a les rêves de Dieu, on a ses désirs. Vous savez, si votre désir, je ne sais pas, c'est de faire le tour du quartier ici et aller évangéliser, et là, vous dites, « Oh non, 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 c'est impossible, ça doit être le diable. » Non, non, je peux vous assurer, ce n'est pas le diable qui vous a inspiré. Mais je rêve de ça. Et là, vous rencontrez Pasteur Fofé, vous dites, « Mais je rêve la nuit que je dois aller sur telle rue et je dois évangéliser, je dois donner des Bibles, des Nouveaux Testaments. Pasteur Fofé, est-ce que tu es d'accord avec moi? » Probablement. Oui, oui. Vous êtes déjà béni pour ce projet. OK? Mais ça, c'est un désir qui vient de Dieu. Si vous faites de l'éternel vos délices, le Seigneur va vraiment vous inspirer des projets. La raison pourquoi plusieurs chrétiens sont découragés, c'est parce que les chrétiens ont arrêté de rêver. Les chrétiens ont arrêté d'être sensibles même à l'Esprit de Dieu qui est en dedans d'eux. Le Saint-Esprit qui vous donne des désirs. Dieu vous appelle à avoir du plaisir dans la vie chrétienne. Dieu vous appelle à être heureux, à avoir la joie de votre salut. Vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous avez une puissance en vous. Dieu vous appelle à briller. Gloire à Dieu. Alléluia! Et vous êtes prêt à être différent. Vous êtes prêt à faire des choses que d'autres personnes ne feront pas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. Donc, si vous êtes prêt à rêver les rêves de Dieu, vous allez toujours devoir discerner entre ce qui vient de vous, le doute, le royaume des ténèbres, et ce qui vient de Dieu. Dans Hébreux 6:10, il est écrit, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Certains d'entre vous avez cru le mensonge que, « Bien, moi, j'ai servi le Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Et vous êtes découragés aujourd'hui parce que vous pensez que Dieu a oublié tout ce que vous avez fait. Vous avez cru ça. Mais Dieu vous dit, « Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'a rien oublié, sauf vos péchés. Sauf vos péchés. Mais le travail que vous avez fait pour le Seigneur, Dieu n'a pas oublié ces choses-là. » Donc, faites le ménage dans vos pensées aujourd'hui. Si vous êtes découragé à cause de ça, parce que vous pensez que vous avez servi le Seigneur des années de temps et Dieu a tout oublié, j'aimerais vous dire, Dieu là, est un très bon comptable. Dieu se rappelle de tout ça. Vous savez, quand je suis arrivé à l'époque, dans le monde de la télévision à l'époque, je suis arrivé, j'avais 27 ans, et puis il y avait des gens qui étaient jaloux parce que j'arrivais dans une promotion. Puis il y avait des gens qui étaient là depuis 10 ans qui voulaient vivre une promotion. Et puis ils étaient jaloux. Mais vous savez, ces mêmes personnes ne comprenaient pas que je venais pas de naître cette journée-là. Mais j'avais déjà servi des années de temps, même au-delà de 10 ans, avant. Mais ce que Dieu fait des fois, il nous transfère d'un poste, il nous transfère dans le royaume de Dieu, dans un autre poste. Et puis Dieu nous bénit et nous conduit comme ça. Mais il y a des gens, des fois, qui regardent juste aujourd'hui, puis on dit, c'est un overnight sensation. C'est d'un seul coup, la personne a tout vécu. Non, non, non. J'ai lavé les toilettes. J'ai lavé les toilettes. J'ai fait plein de choses. Dieu n'a pas oublié ces choses-là. Amen. Dieu n'oubliera pas ce que vous faites non plus. Gloire à Dieu. Et une autre raison pourquoi, des fois, nous sommes découragés, c'est parce qu'on dit, ben non, moi là, pasteur, c'est bien beau, j'ai tout entendu ce que tu as dit, c'est très bien. Mais honnêtement, là, moi, ça fait trop longtemps que j'attends. Est-ce que c'est possible, certains d'entre vous, vous êtes comme ça? Ça fait trop longtemps. Vous êtes une jeune femme et vous voulez vous marier, vous dites, j'ai prié, ça fait trop longtemps. Avez-vous déjà entendu parler de Sarah? Vous dites, bien, je veux avoir des enfants. Avez-vous entendu parler de Sarah? Qui dit que ça fait trop longtemps? Vous êtes découragé aujourd'hui parce que vous pensez que ça fait trop longtemps que vous attendez pour votre promesse? Ça fait trop longtemps? Venez avec moi dans la parole, je vais vous lire un texte. Dans Proverbes 13 et au verset 12, dans la version Parole de vie, il est écrit,
Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage. Mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. Mais là, la question, qui va juger que vous avez attendu trop longtemps? Dans notre société micro-ondes, on s'imagine que ça fait trop longtemps. Mais des fois, Dieu travaille des choses en nous pour qu'on puisse vivre notre percée et ne pas la perdre. Amen. Gloire à Dieu. Dieu travaille des choses en nous. Et si on l'avait eu avant, on aurait tout ruiné. Donc, parfois, c'est mieux d'attendre. Moi, je ne bois pas de vin, mais on me dit que le vieux vin est bon, supposément. Le fromage, moi, j'aime ça manger du vieux fromage parce qu'il est bon. Vous dites, hein, wesh? Non, non, c'est vrai. Il y a certaines choses qu'on attend plus longtemps et puis c'est bon. Amen. Ne dites pas que vous avez attendu trop longtemps. Une personne qui attend trop longtemps, quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. Vous avez dit, mais comment avoir ce désir? Premièrement, il faut revenir à ce que j'ai déjà mentionné. Vous avez besoin d'avoir des désirs. Vous avez besoin de rêver et ne pas abandonner vos rêves. Certains d'entre vous, ce que j'ai dit ce matin concernant l'encouragement, le découragement, certains d'entre vous, peut-être vous avez un rêve qui est enfoui depuis des années, il est comme caché, il est même enterré. Vous avez peut-être même mis, je ne sais pas, un genre de monument, de cimetière là-dessus. Rêve qui est mort, telle année. Et peut-être ce matin, Dieu vous dit, c'est temps de déterrer ses rêves. C'est temps d'être encouragé aujourd'hui. Oui, il y a eu de la mort, oui, il y a eu des épreuves, oui, il y a eu des choses terribles qui se sont produites. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi, entre pour, lève-toi pour entrer dans la terre promise que Dieu te donne. Mais allez-vous prendre la décision ce matin? Je vais me lever. Je vais me lever. Ou vous pouvez juste dire, ah ben, on a eu le pasteur Joël qui est venu à l'église. Vous pourrez juste dire, ben, on a eu de la visite ce matin. Ben oui, c'était différent. J'aurais voulu entendre pasteur Fofi, mais bon, que veux-tu, là, pasteur Joël est venu. Bon, voilà. C'est soit ça, ou vous allez dire, ah, peut-être Dieu voulait me parler aujourd'hui. Peut-être Dieu voulait m'encourager de un à un niveau que dans notre église, on doit vraiment marcher dans l'honneur et ne pas être familier avec l'onction de Dieu pour honorer et où Dieu nous appelle à ouvrir nos yeux spirituels sur la grandeur de l'appel de cette maison. Peut-être c'est ça. Et peut-être l'autre chose aussi, c'est que pour pleinement jouir de cette église et de tout ce que Dieu va faire, j'ai besoin de me lever de mon découragement et je dois aussi discerner de ne pas me laisser influencer par le monde dans lequel je vis. Je vais me lever et je vais marcher par la foi. Je vais voir ce que Dieu m'appelle à voir. Je vais tellement faire de l'Éternel mes délices que Dieu va me donner ce que mon cœur désire. Je vais rêver les rêves de Dieu. Et en fait, ce qui est merveilleux, comme je rêve les rêves de Dieu, c'est la gloire de Dieu pour nous tous. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est des grandes choses, des belles choses pour nous tous. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer avec un mot de prière? J'aimerais prier ce matin, pendant que vous penchez tous vos têtes maintenant. J'aimerais vous demander, certains d'entre vous, vous avez rêvé des rêves dans le passé, mais vous avez abandonné des rêves. Pendant que toutes les têtes sont penchées, est-ce qu'une ou plusieurs personnes ici aujourd'hui qui diraient, qui répondraient à l'appel de Dieu, qui diraient, je suis prêt à rêver une fois de plus, en levant la main. Faites-moi juste le signe que vous êtes prêt aujourd'hui d'adopter, de refaire vivre ces rêves-là. Gloire à Dieu, il y a plusieurs mains. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce matin, vous dites, je vais rêver à nouveau ce matin. J'accepte de rêver les rêves de Dieu. Gloire à Dieu, c'est bon. Amen, on va prier ensemble maintenant. Père éternel, je veux te remercier parce que tu aimes ton peuple et tu voulais ce matin que ton peuple soit encouragé dans la foi et dans la persévérance. Et je veux prier pour chaque personne ici aujourd'hui qui a levé la main, chaque personne qui a dit, Seigneur, je suis prêt aujourd'hui à prendre un pas de foi et rêver à nouveau. Je prie maintenant, Esprit de Dieu, que tu puisses vraiment sceller cette décision dans leur cœur, qu'ils puissent marcher avec toi tous les jours et qu'ils ne laissent aucun esprit d'abattement venir voler ces rêves-là. Seigneur Dieu, je viens contre tout esprit de découragement, tout esprit d'abattement dans cette place pour toute personne qui aurait pu se laisser influencer. Maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité sur ces esprits de dépression, de découragement. Et au nom de Jésus, on déclare un rafraîchissement surnaturel dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous avons prié dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Soyez encouragés. Gloire à Dieu.
Levez-vous et entrez dans votre terre promise. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen. On peut se lever tous ensemble. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Équipe de louanges, montez rapidement.